Les utilisateurs de Manview 6 peuvent maintenant créer leurs propres colonnes dans les vues plans et Gantt. Le nouvel onglet Calcul permet en effet de créer ses propres champs de texte qui seront eux-mêmes disponibles à l'affichage en tant que colonnes dans les vues plans et Gantt. Pour montrer cette fonction en action, je vais aller dans l'onglet Calcul et entrer un champ de texte. En l'occurrence, évaluation. Pour afficher ce nouveau champ de texte en tant que colonne, je vais aller dans l'onglet Outils plan, puis dans Colonne, sélectionner ce que je viens de créer, en l'occurrence Évaluation. Vous pouvez constater que la colonne Évaluation a bien été créée, et à n'importe quel moment, je peux réorganiser les colonnes en faisant un glisser-déposer. Ici, je vais faire un clic gauche sur Évaluation et l'intégrer après la durée. Je peux évidemment ajouter du contenu dans les cellules du module de calcul. Pour cela, je vais revenir sur cet onglet de calcul et dans valeur ajouter par exemple 50. Vous voyez que cela va apparaître directement dans mon champ de ma colonne évaluation. Mais si je veux aller un petit peu plus loin et ajouter du texte au-delà des chiffres, je vais aller dans les paramètres par défaut de l'onglet calcul, puis choisir texte. Et ici, au lieu de 50, je vais simplement écrire le mot « bien ». Vous verrez que ce texte sera donc présent dans la colonne évaluation. Il est important de préciser que cette nouvelle colonne évaluation que nous venons de créer sera également disponible dans le diagramme de Gantt, et nous pourrons faire apparaître ces informations également dans la carte mentale. Pour cela, je vais simplement aller dans l'onglet « Affichage », basculer de vue vers un diagramme de Gantt. Ici, on voit bien que la colonne évaluation est présente. Et pour retourner sur la vue carte mentale, je vais dans l'affichage, vue map, mind map. Vous voyez que l'évaluation est bien présente sous l'entrée en matière.